Nous demandons humblement aux heureux récipiendaires de bien entretenir ces bijoux flambants neufs. Force est de croire et de reconnaître que la réalisation d'une telle infrastructure équipée de mobilier et matériel de bureau contribue à l'amélioration du cadre de travail des fonctionnaires de police qui sont quotidiennement confrontés à des obligations pour fournir un service de qualité à la population. C'est pourquoi nous vous rassurons de notre engagement et détermination pour la réussite de cette mission. Nous vous rassurons de l'entretien quotidien de ce joyau afin de pérenniser les acquis. Ce n'est pas le chef de l'État qui va venir à l'abbé pour mettre sa vision en œuvre. C'est nous, nous les ministres, vous les gouverneurs, vous les préfets, vous les autorités de tous bords. Je vais un peu rappeler sa vision. Il dit qu'il veut laisser aux prochains dirigeants de ce pays une nation rassemblée, prospère et fière. Il n'y a pas de police prospère et fière sans ses infrastructures. L'héritage que nous voulons laisser aux futures générations, ce sont ces infrastructures que nous avons bâties un peu partout sur toute l'étendue du territoire national.